action de tristesse parce que une perte en vie humaine, c'est toujours douloureux. Des proches, quand Dieu vous arrache quelqu'un de vous, c'est toujours un événement, un moment douloureux. Donc on ne fait que s'en remettre à Dieu pour vraiment prier qu'il soit accueilli dans son paradis le plus élevé. La réaction particulière, c'est seulement déplorer que la détention a aussi duré. Donc, il n'a pas été, le dossier n'est pas encore traité. Donc, c'est peut-être ça que les gens ont à déplorer parce qu'il y a une lenteur dans la gestion du dossier. Et les gens souhaitaient vraiment qu'on sache l'issue, ce qui est réservé à ces gens-là. Donc, c'est un peu ça. Mais lui, quand même, il était malade. C'était quelqu'un qui a travaillé jusqu'à la retraite. Donc, il avait une maladie qu'il traînait, qui a été traitée tout juste avant qu'il ne soit transféré sur Dakar. Donc, c'est certainement ça qui l'a rattrapé. Mais quand même, il était âgé et malade. Oui, là, vraiment, on prête pour que l'ouverture du procès soit aussi vite fait, pour que les uns sachent s'ils sont condamnés ou pas, s'ils sont condamnés, ils restent encore, s'ils doivent être libérés, ils soient libérés, s'ils doivent être condamnés, qu'ils soient condamnés. Mais là, aujourd'hui, on ne sait pas quel est le sort qui leur est réservé. Donc ça aussi, c'est un peu les lenteurs au niveau de la justice, et que le ministre en parlait la fois passée, la période de détention est toujours longue pour certains.